Bon, bah c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dante. Et nous voici enfin pour la démo de Resident Evil 4, le remake. Alors, sans plus attendre, nous allons pas tarder à commencer. Et on va voir qu'est-ce que ça allait donner. Septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Six ans se sont écoulés depuis que Léon S. Kennedy a réchappé de l'incident de Raccoon City, une catastrophe biologique sans précédent causée par Umbrella Corporation. Après être distingué en tant qu'agent spécial au service du gouvernement américain, il se voit confier la mission de retrouver la fille disparue du président. Les recherches l'amenèrent dans un village isolé d'Europe, où la jeune fille qui tapait aurait été aperçue pour la dernière fois. Rien. Pas même son traumatisme passé n'aurait pu préparer Léon au cauchemar et à la folie qu'il allait y trouver. Oh, je regarde derrière. Juste pour voir. Ah, ils sont pas là, les deux compères? Peut-être après. Ouais, tu sais, ils sont pas là, les deux policiers, comme dans l'original. Je profite pour regarder un petit coup. Ok, ça pour courir. Ah, ok, je peux pas passer. Mais où est-ce qu'il est passé? Avec toujours la même voix, Anatole de Bodina. Ça fait plaisir à l'entendre. En sachant que pour moi, il colle parfaitement, au personnage de Léon. Ah, je peux pas bouger la caméra. C'est pas grave. Jolie maison, au passage. Enfin, tout propre sans garder, hein, façon de parler. Moi, ce qui est bien, c'est que cette démo, n'a pas de temps limite, ce qui fait que je peux vraiment profiter du jeu sans devoir attendre que le temps s'arrête à zéro. Et ça fait plaisir. Y'a quelqu'un? Alors, je regarde un petit coup par ici. Bah, mon avis d'être après. Alors, on peut poser. Bouger. Amulette grossière.
Le jugement approche. Bonne cuisson. Y a pas de son, mais en tout cas, c'est vraiment bien, c'est bien calme. Ici, si je savais l'espagnol, ça saurait. Ah merde, il fallait savoir ça. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Vino aquí. C'est la merde. C'est le cas de dire. Oh, il y a une drôle de tête quand même. Hein. Par contre, je vais quand même monter le son parce que. À moins que je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est avec le casque, mais. Je trouve qu'on n'entend pas assez fort. C'est pas grave. Oh merde. Ah, c'est dégueu. Alors d'ailleurs, je mets pas le temps de regarder. Carte police. Police nationale. Mario Fernandez Castagno. Agent de police. Et qu'est-ce qui est marqué derrière? Ok, y a rien. Putain, j'ai eu peur. Oula, là il fait bien sombre. J'ai pas beaucoup regardé les vidéos parce que je voulais découvrir par moi-même. J'avais peur de spoiler comme un gros porc. Ouah, hein. Bien énorme lui. J'ai juste regardé à la toute première, mais après, après c'est tout. Mis à part les bandes annonces, j'ai juste fait attention à ne pas trop regarder. Oh putain. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit rien. Ici. Au cas où, hein. C'était quoi? Je sais pas pourquoi je portais un truc qui me saute à la gueule. Merde, est où? Merde, est où? Oh putain! Ça t'aime! Saloperie, va! Oh putain! Et je me suis trompé de sens. Oh merde. Bon, je vais voir ici. S'il y a des munitions, ça m'arrangerait bien. On s'est pas frappé ? À part avec un couteau, c'est pas grave. Je pense qu'il y a une part d'infiltration, mais je suis vraiment pas sûr. Bonjour monsieur. La gueule. Oh, la vache. Oh mon dieu. Oh putain. Ouh. Je fais passer monsieur. Putain. Je fais passer. Pardon monsieur. Ok, d'accord. N'empêche que ça le tue bien. Une balle dans la tête. Par rapport à l'autre monsieur. Ok, le sort disparaît. Bon, on va faire un petit tour en haut. Soir. Ici Condor 1. Ici Hannigan, t'es nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. Et je te rappelle. Ok, je me casse. Tu m'étonnes. Je suppose qu'ils vont poursuivre. Avec deux balles, je vais pas aller pas plus loin. Oh, oh le vent. Des titres comme ça, j'aime bien. Ah bon, je peux me soigner avec la bœuf. Enfin, du moins avec la bœuf en spray. Ça, c'est bien. Non, j'ai pas envie de faire le con.
Comme j'entends un autre. Comme j'entendais quelqu'un, je préfère pas prendre le risque. Ça c'est bien. Ouais, d'accord. Je peux détruire cette caisse-là, et pas... Et pas cette caisse-là. Enfin, du moins, c'est pas des caisses, c'est des barils. Ah, la fameuse machine à écrire. Ah oui, comme c'est la démo, je peux pas sauvegarder. Ça parle beaucoup, hein, comme dans le jeu original. Quelle horreur. Ok, des balles. Voilà ce qui m'arrange bien. J'entends du bruit, mais je ne sais pas où il se trouve. Et ça m'arrange pas. Des pesetas. Comme ça, on peut en acheter auprès du marchand. Merde, il est où? Oh putain. Ils sont combien ici? Alors, j'ai l'impression qu'ils sont deux ou j'y rêvais. Adieu, deux. Ah, merde, deux. Ta gueule. Hop. On l'a fait. Attendez, monsieur, bougez pas, je vous fais une photo. Voilà. Hop. Ah, dégueulasse. Tenez-vous droit, s'il vous plaît. Allez! Oh, dégueulasse. Les pesetas. Toujours aussi classe, hein, Léon. Ah, ça, ça m'emmerde. Je sais pas ce que j'ai pour que j'appuie toujours sur rond. Hop, tu dégages. Ah bah il est mort. Ok, de la bœuf rouge. Grenade aveuglante. Bah pour l'instant, au niveau de munitions, ils sont bien généreux. Hein. J'ai vu un truc tomber. Ah, dégueulasse. Il y en a un qui a perdu sa tête.
Ah, le fameux village. Ceux qui ont connu l'original savent de quoi je parle. Au moins, il se chauffe. J'ai l'impression que il y a beaucoup plus de brume, ou du moins beaucoup plus présente que dans l'original, dans le village. Peut-être que je sais comme ça, mais. Ah, ah si, il y a quand même des moments d'infiltration. Je regarde comme ça. Ouais, ça fait. C'est pas ça, mais j'ai pas trop envie de gaspiller des balles, donc je me casse. Hop. Je sais pas pourquoi, mais ça fout la porte. Ah, il ouvre la porte, en plus! Enfin, il ouvre la porte! Ok, focus. J'ai pas eu peur de. Ah, ça c'est cool. Même lui, on dit la même chose. Je peux passer, madame. Pardon, madame, je peux passer. Hop! Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Je vais passer. Pardon. Je vais passer, s'il vous plaît. Où la boue? Bien sûr. Hein. Voilà, je fais ça comme ça. Et je fais comme ça. Où est-ce qu'il y a l'autre avec la tronçonneuse? Ah oh, putain! Non, pas bisous! Dégage! Œuf de poule brun. Il y a plein de monde aussi. J'essaie de pas trop préoccuper des. Oh merde!
Alors j'ai fait de la connerie. J'ai fait une connerie, c'est pas grave. Ah putain, je dois vraiment tout retaper ici. Bon, on va passer. Elle est pas là, la bébé? Je sais pas si je peux l'approcher comme ça. Ok, tais-toi. Comme ça, c'est mieux. Bon, cette fois, je vais... Ah, je peux pas grimper ici. C'est pas tout ça, mais... Ouf! Il a failli m'avoir. Comme je fais comme dans l'original. Je me casse. Je m'en vais. Hop, voilà. Tu dégages. Allez. Oh l'arnaque. Petit cadeau. Ok, j'ai réussi à faire passer par dessus la fenêtre. Bon, je vais tester le fusil. Et ça fait exprès, j'ai réussi à contrer. Hein? C'est tout? Oh putain, non! Oh non! Allez, hein! Oh le con! Oh, fais chier! Bon, je vais venir m'abuser à rester longtemps. Non, non, t'entends pas, t'entends pas. Tu dégages.
faites venir. Allez, je m'en vais. Oh la naque. Attention, boum! Allez, je te casse. En fait, en gros, il faut juste... Hop! Allez, je te casse. Faudrait que j'arrête de faire le con. Ah putain, non. Déjà bu. Allez, je pense. Ah merde. Comme par hasard. On dirait pas. Oh non! Tu te fous pas de voir là? Oh ouais, ça le rend de fou. Hop, tu dégages. Ok, toi... Tu dégages aussi. Essayez de tomber. Non, sérieux. Non, non. Oh, tu dégages. Oh mon dieu. Ah. Non mais. Hop. Oh. La campagne. Todopoderoso.
Où est-ce qu'ils vont tous? Il y a une fête. Bon, pas c'est tout. Bon, bah. Au moins, le jeu sera disponible le 24 mars. En tout cas, malgré les petites fails et du n'importe quoi, bah. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment, ce qui est vraiment essentiel pour moi. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et je vous souhaite une bonne soirée. A plus !